Bizarrement le club des losers semble plaire à quelques personnes. Ils ont fortement apprécié mon sens de l'autodérision. Je me demande ce qu'ils diront en apprenant que mon corps pourrit lentement une corbe. Ça c'est mon sens de l'autopendaison. Malgré mes lunettes j'ai peur que les corbeaux viennent manger mes yeux. Quelque part c'est mieux, je n'aurai plus à supporter la vision immonde de toutes vos têtes. En même temps de voir plus lorsqu'on est mort, ce que je n'ai pas de sens qui m'empêche pas d'être très gentil. Depuis ma naissance je voulais juste trouver l'amour. J'ai cherché partout dans la poubelle de ma voisine ou des restes de paella côtoyé des tampons usagés. Mais il n'était pas à l'intérieur de ce canard que j'avais ouvert pour voir comment c'est dedans un canard. Mais il n'était pas plus que fondé mon paquet de complexes où il n'y avait qu'un lutin en plastique vert. Je l'avais déjà en double, j'étais triste, très triste, déprimé. En regardant vers l'horizon j'ai vu ma joie qui s'enfuyait. Je lui ai dit reviens, elle m'a fait dégage. Dès lors le monde m'apparaissait comme un livre interminable. Tous les jours je sautais en arrivé aux dernières pages. Mais un jour devant une fille je me suis senti tout bizarre. Le soir en pensant à elle je me sentais tellement bizarre que je croyais être amoureux. J'aurais voulu qu'on me félicite, mais les médecins ont dit que j'avais juste l'appendicite. En m'ôtant cette partie de mon corps ils ne se doutaient pas qu'ils m'ôtaient également l'espoir de pouvoir un jour approcher le bonheur. Qu'apparaît-il, seul amour peut introduire à lui. Je m'en fiche maintenant, enfermé dans ma chambre. Je bois des bières toute la journée, je n'attends rien de cette vie. Ce qui n'est pas trop grave, je pense avoir trouvé le moyen de mettre un terme définitif à tout sentiment d'ennui.